félicitations avec ton titre. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens soulagée, je me sens un petit peu fatiguée là. C'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas avoir gagné le titre, mais deuxième dauphine, c'est déjà une très belle place. Je suis la première francophone dans le top 3, donc je suis heureuse. Et ça fait longtemps qu'une fille de Luxembourg a vraiment occupé une place dans le top 3. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je pense que la première et dernière Miss Belgique a été élue en 1947. Et c'est vrai que le Luxembourg, ça fait longtemps que le Luxembourg n'a plus été aussi loin. Donc je suis très fière de représenter toute ma province ici à l'élection. Est-ce que tu as senti ça, un support des habitants de ta province? Oui, j'ai reçu un support massif jusqu'au bout. Beaucoup d'articles dans les journaux, etc. Et beaucoup de personnes qui m'ont soutenue. Rien que ça, je suis très heureuse. Quelle était ton meilleure expérience pendant les mois passés? Je pense que quand j'ai été élue Miss Luxembourg, c'était un moment très émouvant. Et j'ai eu beaucoup de bons moments. Mais bon, je ne saurais pas tous les citer ici, les activités chez les sponsors, etc. C'était vraiment très chouette et je suis un peu triste que ça s'arrête maintenant, oui. Parlons des autres filles. Quelles filles est-ce que tu voyais comme vraiment des gagnantes potentielles, des concurrentes? J'avais épinglé trois filles, Anissa, Laurence et Sarah. Donc Anissa et Laurence sont dans le top 3 et puis moi, donc voilà, je ne m'étais pas tellement trompée. Comment est-ce que tu vois ton avenir comme dauphine? Comme dauphine, je pense que si on me propose certaines activités à la télévision ou en shooting, j'accepterai. Et en parallèle, je souhaite quand même débuter mon stage pour devenir par la suite avocate. Oui, parce que tu as fait les études de droit. Oui, je suis diplômée en droit. J'ai fait 5 années de droit, j'ai mon master en droit. Donc maintenant, j'aimerais bien effectivement devenir avocate. Ainsi, tu montres que la beauté et l'intelligence, ça va bien ensemble. Voilà, tout à fait. Je vais au-delà des clichés, oui. Je te souhaite un splendide avenir. Merci beaucoup.